Bonsoir, mon nom c'est la Seigneur Vaguerrier et dans la dévotion pour ce mois, nous allons lire dans le livre de Marc 4, versets 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à notre bord. » Après avoir envoyé tous, ils l'emmenèrent dans la barque. Où ils se trouvaient, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveilla et lui dire, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Tais-toi, silence, tais-toi. » Il réveilla et se dit, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur ?» Ça, encore c'est le Seigneur qui parlait aux gens. Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Bien-aimé, merci Seigneur pour ton amour, pour tes bienfaits, ta miséricorde. Merci pour la grâce que tu nous as accordée, Seigneur. Merci pour nos péchés que tu as pardonné, Père Saint, Dieu Tout-Puissant. Tu dis dans ta parole, venez à moi. Pour tout ce qui est chargé et perdu, je vous donnerai du repos. Ce soir là même, Seigneur. On vient, Seigneur, à toi, Seigneur, pour te demander, Seigneur. Nous écrivons devant toi, Seigneur, pour te demander de repos, Seigneur. Notre Père Céleste en Jésus-Christ, de l'amour du Tout-Puissant. Aide-nous, Seigneur, à vivre avec un cœur joyeux, Seigneur. Non pas un cœur de tristesse, non pas un cœur de peur, non pas d'anxiété, Seigneur. Permette que, Seigneur, dans tout ce qu'on va faire, on va garder le calme, Seigneur. Parce que tu as encore le Dieu de l'amour, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui était là avant hier, qui est là aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ton amour, Père Saint. Merci, Père Saint, merci pour ta grâce. Permets que ta volonté soit faite en nous, Seigneur. Et le même onction, Seigneur, que tu avais avant, Seigneur. Tu as oint tes prophètes, hein, tes pasteurs, Seigneur, tes évangélistes, Seigneur, pour qu'ils puissent eux-mêmes capables de oint aussi. Avec ce même onction, Seigneur, tes enfants. Assistez-nous, Seigneur, donne-nous grâce, Seigneur. C'est le nom précieux de Jésus-Christ que nous prions ici. Amen. Alors, je vais dire que le Seigneur lui-même, alors, notre sujet ce soir-là, c'est vraiment le même Dieu hier-là, c'est le même d'aujourd'hui. Le même Dieu qui était capable de faire cesser les vagues de la mer, il est encore capable. Le même Dieu
qui avait dit au vent, silence, la mère, tais-toi. Il est capable encore aujourd'hui. Il ne changera pas. Il ne change pas, il ne changera pas. Il restera toujours le même. Alors, lorsque Jésus lui-même était à côté de la mer et voulait partir lui-même, et les disciples qui étaient avec lui voulaient partir aussi. Mais lui, lorsqu'il était fatigué, lorsqu'il s'était rendu dans la barque, il commençait à dormir. Alors, lorsque les vagues de la mer commençaient à agiter, les autres ne pouvaient rien faire. Ils criaient eux-mêmes. Ils voulaient avoir un sauveur, quelqu'un pour leur sauver. Mais il n'y en avait personne que Jésus de Nazareth qui avait prononcé sur le vague de la mer. Il n'y avait personne d'autre. Alors, mes bien-aimés, ce soir, je vais vous dire que notre sujet pour la dévotion, pour notre dévotion ce soir, c'est que Dieu le fait. Il continue à le faire, il le fera encore. Il n'y a rien qui est impossible à lui. Tout ce que vous voyez dans la Bible, c'est pas un mensonge, ça. C'est vrai. C'est vrai parce qu'il le fait encore. Il guérit, il avait guéri les boiteux, des murs et des sons. Il sauva des gens au milieu de la mer. Il a fait calmer la mer parce qu'il était agité. Seigneur, comme tu es bon, tu es grand, tu es adorable. Je vais te dire maintenant, il n'y a pas une personne dans cette vie qu'on vit là qui n'a pas une tempête dans leur vie. On a toute une tempête. Une chose est sûre. Le Seigneur est capable de le calmer encore. Avec un seul mot, dans une seconde, dans une fraction de minute. Il l'a fait, il peut le faire et il le fera encore. Avec l'exemption qu'ils ont mis sur leur monde. Et puis, il dit encore, il ne faut pas oublier notre passage. Si vous agissez votre foi, on a besoin de toute la foi pour combattre ce monde-là. Si vous croyez, il peut le faire. On a toute une condition, un rôle, une condition à remplir. C'est de mettre notre croyance en Dieu. Il n'y a pas de maladie que le Seigneur ne peut pas guérir. Quelle que soit la maladie n'existe pas pour lui. Tout ce que vous entendez parler du cancer, du diabète, de dépression, il n'y en a pas un que le Seigneur ne peut pas guérir. Des quadriplégiques, des gens qui se rendent au coma, qui n'ont rien, que le médecin de branche pour mourir. Mais lui, il a agi. Il a agi. Parce qu'il a dit, sa main n'est pas trop mou, ni ses oreilles ne sont pas trop loin pour nous toucher, pour nous entendre.
Parce que lui, il a dit, c'est juste lui qui peut donner le repos. Si vous vous sentez fatigué. Rien n'a changé. Dieu est le même qu'hier qu'aujourd'hui. Avec la condition de mettre votre croyance en lui. Comme dit dans le livre d'Hébreux, la foi, c'est quelque chose qu'on n'a pas, qu'on ne le voit pas, mais qu'on espère. Dieu est bon, il est grand. Il est bon, il est grand. Tu vois, les gens s'étaient étonnés pour voir. Et même demander qui est-il. Le vent, les vagues, sont toutes ces terres. Ils sont toutes ces terres devant lui. Ils font silence. Même la nature, il n'y a pas un comme notre Seigneur. Ce soir, je veux vous inviter tous à vous couper devant lui. C'est qu'il n'y a pas d'autre comme lui. Il n'y a pas de le possible pour lui. Mais une ressource. Une raison. Si vous mettez votre croyance en lui. Si vous êtes sincère avec lui. Si vous marchez avec lui. Tout peut se faire. Il a dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Merci Seigneur, merci Père Saint. Merci Seigneur, comme tu es grand. Merci. Seigneur, aidez-nous et nous tenir par la main afin qu'on puisse marcher avec vous, Seigneur, main par la main, Seigneur, et qu'on peut goûter cette onction-là, l'onction du Saint-Esprit, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'on s'arrête, Seigneur, merci pour ton amour, tes bienfaits, Seigneur. Merci pour l'opportunité que vous nous avez donnée, Seigneur, à parler en ton nom. Et à chaque fois, Seigneur, que ce soit, que ça puisse se faire, Seigneur. On se sent, Seigneur, comme le ciel est ouvert, c'est la grâce. Merci, Père Saint. Je prie pour mon pasteur et sa femme, Seigneur. Sa famille en entier, Seigneur, je les mets devant toi, Seigneur, ses enfants. Seigneur, tu le connais mieux que moi. Tu connais là où ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent. C'est quelle tempête qu'ils ont dans leur vie, Seigneur. Mais on sait, Seigneur, que tu es là pour apaiser le vent, la tempête, Seigneur. Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, de le tenir par la main, Seigneur. Seigneur, tu les connais mieux que moi, tu connais leurs besoins là où ils sont. Qu'est-ce qu'ils veulent dans leur vie, Seigneur? Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, tu dis arrêtez, sachez que je suis Dieu. Oh Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, n'importe quelle tempête qui peut être dans leur vie, Seigneur, chacun, Seigneur, chacune, Seigneur, le membre de l'Église, Seigneur, les musiciens, Seigneur, Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, la chorale, Seigneur, le groupe, en Seigneur, et chaque petit ou grand, Seigneur, à qui tu as donné la chance, Seigneur, d'être présenté à l'Église, pour parler en ton nom.
Seigneur, permets que ta parole va être vivifiante dans le cœur de chacun. Tu es l'amour de tout-puissant. Tu es le grand médecin par excellence. Tu es le grand chirurgien, Seigneur, toi qui possèdes la plus grande pharmacie qui existe dans le monde, Seigneur. Tu es l'amour de tout-puissant. Je le présente devant toi, Seigneur. Tu es un oculiste, Seigneur. Tu es un chirurgien, Seigneur. Tu es pour le dos, Seigneur. Tu es pour l'abdominal, Seigneur. Tu es là aussi pour mettre les membres ensemble, Seigneur. Au Dieu de toute façon, il n'y en a pas comme vous. Seigneur, je vous remets chaque personne qui fait un travail colossal à l'église, Seigneur. Je demande, Seigneur, de les accompagner dans ce qu'ils font, Seigneur, afin que leur travail se puisse être des travaux du grand prix, Seigneur, à tes yeux. Merci, Seigneur, merci pour ton amour. Et je te prie comme ça, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Seigneur. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus. Amen.